Texaco, aéroport de Douala, cette veille de la Tabaski 2017, le marché du mouton est au rendez-vous. On est venu vous acheter le mouton. Il y a pour 100 000, 150, 80, 200. Vous avez trouvé? On a déjà trouvé, j'ai déjà payé. Donc je suis venu acheter le mouton pour préparer la fête. Donc j'ai trouvé à un bon prix, j'étais à 75 000, on m'a laissé. Mais l'année passée j'ai acheté à 100 000. Ce site bien connu et réservé à la commercialisation du mouton est bondé de bêtes de races d'origine diverses. Le mouton de Sodou, qui est en bagno, avec maillot d'aller, sambolabo, partout là-bas. Les commerçants sont présents et les clients très peu nombreux. Le marchandage est de taille. Le type là, il est cher. Voici deux là, j'ai payé à 300 000, il a refusé. Il veut 400 000. Ils disent que c'est 400 000. Ça, c'est pour le Aladji. Nous sommes le Dubria. Globalement, les prix sont en baisse, contrairement à l'année dernière. L'année passée, on a vendu à 140, 150. Aujourd'hui, le mouton de 150, on te dit 75 000. On te dit 60 000. C'est comme ça. Problème, il n'y a pas l'argent. Voilà la rentrée. Ça commence. À quelques heures de la fête du mouton, l'animal à sacrifier doit être bien portant. Les agents du ministère des Pêches et de l'Industrie animale y veillent.